matin, c'est Chantal Roberge-Dupuis. Je suis au 353 rue des Chênes-Ouest, à la capitale de Québec, dans la province de Québec. Oui, c'est le même mot. Il s'écrit aussi de la même façon. C'est au Canada, en Amérique du Nord, donc c'est-à-dire de l'autre côté du continent de l'Europe. C'est un micro, oui, ça c'est un micro. Cette vidéo-là, ce matin, je voulais te parler de conception de vidéo. Moi, je suis pas une professionnelle. OK? C'est vraiment tout à la fois quand je fais ces vidéos-là, le but, c'est pas de devenir oncle Georgette ou tante Georges ou tante Georgette ou oncle Georges. OK? C'est vraiment pas le but. C'est pas le but non plus de devenir un artiste ou c'est pas le but non plus de devenir un humoriste. OK? Même si ça peut ressembler à ça, si on dit il y a une erreur au niveau de l'interprétation, si on parle de cette vidéo-là. Je t'explique. En voyant cette vidéo-là, si tu pars à rire, dire, hey, penses-tu qu'elle va devenir un humoriste à 53 ans avec ces vidéos-là, OK? Non, là, c'est toi qui as une erreur de jugement puis de perception, OK? Parce que le but de ces vidéos-là, c'est pas du tout ça, OK? À la base, je suis infirmière, je suis récréologue, puis je suis psychoéducatrice, puis je suis journaliste, puis tu le sais. Donc, à la base, quand tu sais ça, est-ce qu'elle veut devenir humoriste? Non, je veux vraiment pas devenir humoriste, OK? Donc, si de plus, tu dis, oh, je me suis trompée dans mon jugement, j'ai eu une erreur de jugement, de perception, OK? Pourtant, j'avais cette information-là. Si tu as cette information-là, là, on dit, c'est peut-être plus une erreur de déficience. OK? Quand on parle de déficience, il faut faire très attention, OK? L'objectif, surtout, moi, des vidéos, c'est de t'apporter du vocabulaire, t'apporter des sujets pour dire, OK, il doit faire la distinction ou tu dois faire la distinction. C'est-à-dire, le conflit qui existe présentement, c'est prime abord quoi? C'est quoi? Pourquoi qu'il y a un conflit? C'est là que tu vas émettre des hypothèses qu'on dit, OK? Donc, pourquoi qu'il y a un conflit? Que dans l'exemple, c'est un exemple, je me prends un exemple parce que tu es en train d'écouter la vidéo, ça va être plus facile à comprendre, OK? Dans l'exemple, quelqu'un écoute cette vidéo-là, il rit de ça, puis il en parle à plein de monde, puis moi, ça me fait de la peine, puis il en parle à tellement de monde que de façon, c'est tout à fait normal que quand j'additionne, que je le vois parler aux gens, rire de moi, se moquer de moi, dire des mots méchants, que quand j'additionne tout ça, c'est normal que quand je vais croiser un minou, ça donne qu'il dit quelque chose de méchant, je vais penser qu'il fait partie de ce groupe-là. Pas nécessairement. C'est là qu'on dit, il faut, quand ça arrive, OK? Que quelqu'un est victime pour vrai d'intimidation, ou c'est qu'il y en a tellement eu, puis c'est la goutte qui arrive, mais c'était pas ça du tout, c'était juste je voulais juste chatouiller un peu parce que pour différentes raisons, OK, que quelqu'un peut faire ça, attirer l'attention. Il y a écoute, c'est impossible d'attirer l'attention ou de se faire remarquer tellement qu'il y a du monde que mis à part un petit coup de coude ou un clin d'œil un peu arrogant ou un peu inversé, parce que si tout le monde commence à il verra pas ou elle le verra pas. OK? Ça, c'était une parenthèse. Lorsque je veux en revenir, OK? On dit parce que je voulais parler de la méchanceté. C'était ça le sujet de mon le sujet de cette vidéo-là, c'était la méchanceté, OK? Puis tout à la fois un peu de visuel, parce que si tu veux le faire là, en noir et blanc, comme genre là, les dessins, là, comme j'ai posté dernièrement sur YouTube, il faut là, à ce moment-là, que quand tu passes, dire bon, ben, quand la personne va regarder ça, c'est capable là, de prendre une photo avec un appareil sur YouTube, là, puis faire une page à dessin. Ça se peut que ça arrive ou en fait, moi, le but, c'est que si toi, tu veux en faire, OK? Si tu veux en faire, monter un coffret pour Noël, un petit livre à colorier pour ta visite, donc tu dois penser, OK? Fait que c'est comme un livre à colorier, si tu veux.
Donc, tes vêtements, tu dois penser que ça prend des lignes, ça prend des petits ronds à dessiner. Sur ton décor, ça prend autre chose, des bas comme ça avec d'autres sortes de lignes. Donc, tu dois penser ou des motifs comme ça que tu dis, ah, oh, ben, regarde comment ça fait beau. OK? Moi, le but, c'est pas ça. Si toutefois qu'il y a quelque chose de le fun, fais-le puis viens me le demander. OK? Dire, hey, Chantal, j'ai photographié ça en noir et blanc parce que ça fait tout vraiment mignon, tu sais. Puis là, je vais monter un petit livre à colorier pour Noël, mais tu dois venir me le demander parce que ça reste que c'est ma conception, OK? Mais pour le reste, si tu veux tout simplement offrir un petit livre à colorier à ta nièce ou bien à ton neveu, puis dire je copie l'idée. Oui, tu peux copier l'idée, mais pas commercialiser, OK? Là, ris pas de moi. Penses-tu commercialiser ça? Non, je te donne des notions de droit. OK? Là, à chaque fois, commencer à spécifier, c'est comme plate. OK? Puis il y a des gens qui quand ils font dans l'ordre de l'enseignement, OK? Ou dans l'ordre de conférence, chaque lettre de chaque mot dit coûte de l'argent. Oui. À ce point-là, OK? Si tu me fais dépasser, on dit genre 40 lettres, OK? Parce que là, je le dis, mais s'il y a un ordinateur qui le transcrit, puis ça vient de me coûter 40 lettres, OK? Parce que je dois, on dit, calmer quelqu'un qui souffre de persécution ou quelqu'un qui devrait même pas écouter ça parce qu'il n'y a pas la compréhension. C'est, oh non, 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 ça t'aide un petit peu, là, tu vas aller. Attends, il faut juste que je t'explique. J'ai quelqu'un qui fait quelque chose de semblable en première année pour l'âge d'or. Elle parle plus tranquillement, puis le sujet, c'est première année, là. C'est pas sixième année ici. OK? Salut! Fait que j'ouvre une autre parenthèse pour dire que tout le monde est bienvenu, OK? Parce que ne serait-ce qu'un objectif premier, dire tu le fais pour toi, pour te pratiquer au nouveau matériel électronique, pour parler, OK? Pour faire de l'exercice cognitif, comme si tu vas au gym, puis dire bon ben je vais au gym, tu sais, puis je fais de l'exercice quand je vais au gym. C'est la même affaire de dire que tu vas faire de l'exercice cognitif, OK? Ça peut être dire j'essaye de parler le plus longtemps possible sans respirer. C'est un exercice qui existe. On l'utilise en natation, on l'utilise aussi pour les chanteurs, chanteuses, dire si tu veux pousser une note le plus loin, le plus longtemps possible, tu dois parler le plus longtemps possible sans respirer. Sauf que ça prend quelque chose à dire à un moment donné, je m'excuse. Mais si tu veux, si tu en veux des chanteurs, des chanteuses, puis si tu veux des musiciens, des musiciennes, puis si tu veux manger des œufs puis des légumes, faut que tu endures certaines petites choses, OK? Puis c'est là qu'on dit si j'ai mais ça devient pour toi en tant qu'auditoire le terme on dit je suis un auditoire forcé, OK? Je suis un auditoire forcé d'une chanteuse d'opéra dans mon bloc. Tu peux aller lui dire poliment. Si jamais elle dépasse les heures permises, puis le temps de pratique, OK? Je pense qu'une chanteuse d'opéra qui se pratique 1 heure par jour d'opéra dans l'après-midi, il n'y a pas de quoi dépasser une ligne du non-permis, là, puis d'appeler la police, puis que ça coûte 2 millions. De menterie. OK, c'est correct. Je veux que tu fasses des exercices si c'est le but médical. Parce que le but de mes vidéos, bien entendu, c'est médical puis éducatif. OK? Moi, j'invite on dit Pierre-Jean-Jacques, Nathalie, Sylvie, Chantal à faire des vidéos. OK? Ne serait-ce que pour t'habituer au matériel électronique, puis te serait-ce aussi de t'habituer à faire de l'exercice cognitif, OK? Puis, où trouve, ça peut être aussi locomoteur, ergonomique, c'est-à-dire aller faire travailler des muscles,
les muscles du visage ou les muscles cervicaux qui ont pu avoir un accident, OK? Mettons, suite à réapprendre à parler ou apprendre à parler. On dit réapprendre à parler ou apprendre à parler, OK? Ou rajouter davantage. Bon, ben, c'est l'organe, c'est la bouche, ça, c'est l'organe, ça sert à parler, puis ça sert à manger, OK? Donc, c'est un organe qui est très important dans la communication. J'ai-tu entendu ça ou j'entends des voix? Là, on dit parce que ça fait partie. Je vais closer sur ça, sur la méchanceté, OK? Aller jouer dans les oreilles de quelqu'un, hein? C'est sûr que ça part de la menterie. Là, ça, je vais te dire où ce qu'ils sont, ils commencent à faire froid, puis il n'y a pas de chauffage. Dépêche-toi à signer, tu t'en vas en prison, ça va faire libérer ta femme puis tes enfants, OK? Puis en prison, ça, l'ordinateur est là, OK? Ça se peut que madame reçoive une lettre après coup qu'elle est veuve et heureuse. Ça coûte. Tu vas être veuve et heureuse, mais c'est là qu'on dit faut que tu te dépêches à y mettre un beau nanane dans la bouche, OK? Faut que tu te dépêches. Tu vas être veuve et heureuse, mais dépêche-toi à y mettre un beau nanane dans la bouche parce que c'est ça que ça prend. Salut! Veuf aussi, ça existe. OK, bye!